l'invasion des Cowgirls. Wouhou ! Je me balance super-o ! Pas super-o ! Hyper méga-o ! Dépêche-toi, MC Swag ! Ça fait des heures que t'es sur la balançoire ! Ça fait pas des heures qu'elle en fait, ça fait 10 minutes et 17 secondes ! Oui, je le sais, ça. C'est pas tous les jours qu'on voit la plus grande balançoire du monde. Alors ce serait bien de me laisser la place pour que je puisse prouver que je peux me balancer plus haut que n'importe qui. Ouais, c'est ça. Wouhou ! Jusqu'à ce que je monte sur cette balançoire, parce que c'est moi qui vais me balancer plus haut, tu verras. Je toucherai les nuages. Je m'appelle Cowgirl Cutie. Ravie de te rencontrer. Western Honey. On fait un road trip sur la route 707 avec Neon Cutie et MC Swag. Salut. Salut, au revoir. Tu veux qu'on nous départage pour savoir laquelle de nous se balance plus haut que l'autre et laquelle raconte des salades à son adversaire? Ça se tente, ouais. La balançoire, c'est pas une compétition. Ce qu'il faut, c'est s'amuser. Comme ça! Waouh! Ouais, ouais! On fait pas de compète, on veut juste savoir laquelle se balance le plus haut. Et on a besoin de vous deux pour être les juges de notre non-compétition. Si vous me dites que c'est non-compétition, ça vous gênera pas que Neon Cutie participe? En fait, je peux pas me défiler. Elles ont besoin de non-juges pour leur non-compétition. Les jeux sont officiellement lancés! Ma petite Cowgirl Cutie, tu vas peut-être plus haut sur la balançoire, mais je suis sûre que tu te balances pas aussi vite que moi. Je te parie que je vais même plus vite. Mouais, tu sais faire un selfie en te balançant? Défi selfie balançoire accepté. Êtes vraiment des sœurs jumelles. C'est vrai, vous vous ressemblez beaucoup, vous deux. Non, on pourrait pas être plus différentes. Quoi? On est plus différentes qu'un petit train comparé à un jacuzzi. Faisons un test pour prouver que vous êtes les mêmes. Je vous pose des questions, vous répondez. La meilleure couleur? Bleu. C'est quoi les meilleures paillettes? Les argentées. Celles qu'on met dans notre vie. Oh, c'est beau ce que tu dis là. Votre danse préférée? La square dance, bien sûr. Voilà, vous avez dit la même chose. Vous êtes des jumelles. C'est absolument impossible que tu puisses danser la square dance comme moi. C'est vrai, puisque je la danse mieux que toi. Une non-compétition de danse, c'est bien ça que tu veux? C'est ça, ouais. Ta non-compétition, je l'accepte volontiers. Ça te dit de faire un tour de balançoire? Non, je voudrais surtout pas manquer ça. Je veux voir leur non-compétition. Ou peu importe ce que c'est, je veux les voir danser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Let's see you shake it to the right. Swing it to the left. Show them who's the best in all the West. Come on and step. Je te désigne grande gagnante du Square Dance. Hi-haw! Trop, c'est trop. On va dessiner. Vas-y, lance-toi. C'est moi,
esquiver, gagner. J'arrive pas à croire que tu sais bien danser et dessiner en plus. Bien sûr que je sais dessiner. Nos dessins sont vachement ressemblants, tu trouves pas? Moi, je pense que c'est surtout nous qui nous ressemblons. Je suis d'accord, ouais. Mais il y en a qu'une qui peut être la meilleure co-girl. Pas vrai? Oui, il y a qu'une seule façon de nous départager. Allez, Neon Cutie, je vais t'apprendre à faire de la balançoire. Quoi? Mais je sais très bien comment faire. Vous vous en sortirez sans moi, les filles. Oui, va t'amuser. On gère, t'inquiète pas. Alors, montre-moi comment tu fais. Oui, d'accord. Je vais me balancer. D'accord, j'ai menti. Je sais pas faire ça. De toute façon, je veux pas savoir en faire. Tu vas quand même me montrer? Je suis là pour ça. La seule façon de savoir qui est la meilleure cowgirl, c'est de courir jusqu'à ce que l'une de nous abandonne. Je pourrais courir comme ça toute la journée. Mais tu peux courir comme ça? En arrière? Bien sûr que oui. Ça me fait pas peur, j'ai des yeux sur l'arrière de mon chapeau, tu sais. T'as vu ce gros cactus? Bien sûr que je l'ai vu. Et hop! Ça nous dit toujours pas qui est la meilleure. Ça t'est déjà arrivé de te maquiller en même temps que tu cours? C'est ce que je suis en train de faire. Moi aussi, je sais le faire. En échange? Quand tu fais de la balançoire, c'est tes jambes qui font le travail. Tu les allonges, puis tu les plies. Vas-y, essaye. J'y arrive bien? Non. Les bras aussi sont importants. Tu pousses et après tu relâches. Je suis pas faite pour ça. Bien sûr que si. Je vais te pousser. Alors tu vois, t'es même en train d'en faire toute seule. Ah bon? Ah oui, j'y arrive. Je vais hyper méga. Eh, normalement c'est moi qui dis ça. Cougar Cutie est en train de s'enfuir avec Western Oni. T'es sûre de ce que t'as vu? Il faut qu'on aille la chercher. Oh non. C'est vrai qu'elle nous a dit qu'elle partait. Si ça se trouve, elle veut plus faire le road trip. Comment on est censé s'arrêter? Tu t'es déjà mis du vernis en même temps que tu cours? Pourquoi tu crois que j'ai toujours un flacon de mon vernis à ongles préféré dans ma poche? Couleur botte bleue. Tout comme moi, j'emmène toujours un flacon de mon vernis à ongles préféré couleur rodéo rosé. À nos pinceaux! Alors, elle avance ta manicure? Et la tienne? Courir et faire ses ongles, ça va pas trop ensemble finalement. Ouais, t'as raison, Cowgirl, c'est impossible. Notre non-compétition m'a épuisée. Je suis plus fatiguée qu'un cheval de course. Moi, c'est pareil. Je suis tellement fatiguée que j'ai des hallucinations. C'est comme si j'entendais mon glimpeur arriver. Mais oui, c'est bien mon glimpeur. Ou est-ce que c'est moi qui hallucine vraiment? Regarde, elle est là.
Tu peux pas nous abandonner. Ouais, c'est inacceptable. Tu me manquerais trop. Je vous abandonnais pas, les filles. Mais pourquoi t'as dit que tu partais alors? Je suis partie courir avec Cowgirl Cutie pour notre non-compétition. Sauf que bon, c'est une compétition. Pas vrai? C'est vrai. Mais je veux pas qu'on soit en compétition. Je t'apprécie, tu sais. On dit qu'on est ex-aequo? Oui, mais je recommencerai pas une journée pareille. Et puis d'ailleurs, moi aussi je t'aime bien. On est toutes les deux des vraies Cowgirls. Et des vrais amis aussi. Des amis aussi, oui. C'est pas incroyable comme on se ressemble toutes les deux? Eh ben, je l'aurais jamais cru, moi. Avant de reprendre la route, vous êtes d'accord pour refaire un tour sur la balançoire géante? Juste pour s'amuser? On l'a bien mérité, ouais. Je suis partante, mais c'est moi qui commence. Hors de question, c'est moi qui passe avant. Tu veux qu'on règle ça autrement? Oh, je relève le défi. La chasse au trésor ensablé. On va à la plage de coquillages. On va à la plage. On va à la plage. Première chose à faire, on cherche l'endroit parfait où se poser. Vous vous êtes pas fait mal? Merci. Désolée de t'avoir fait tomber. J'étais super pressée et j'avoue que je regardais pas vraiment où j'allais. T'inquiète pas, moi j'étais occupée à chercher une place sur la plage. Je t'ai pas vu arriver, désolée. On est toutes les deux en tort. Bon, j'y vais moi. Amusez-vous bien et désolée. Salut, à plus. Tu fais quoi au juste? J'essaie d'éviter le soleil. Mais regarde où on est. Il y en a partout du soleil. Je sais bien. Je m'appelle Sunny Shores. Et moi, ce que j'adore, c'est le soleil qui brille sur la plage. Je me présente alors. Moi, c'est Queen Bee. Et voici mes amis Quiet Cutie et Diva. Mais pourquoi tu évites le soleil? Eh ben, il y a du nouveau dans la salle de jeu. Ils ont installé une machine flambant neuve et je suis venue plus tôt pour l'essayer. J'ai trouvé le meilleur emplacement, j'ai déposé mes affaires, je suis allée jouer et j'ai réussi à faire le meilleur score. C'était vraiment incroyable. Mais j'ai oublié de mettre de la crème solaire. Il y a beaucoup de soleil. Elle est dans mon sac tout là-bas. Sauf que moi, je suis ici, loin de mon sac. Le truc, c'est que si les rayons du soleil me touchent, je vais brûler comme un petit pancake dans une poêle. Vous comprenez? On veut bien t'aider, nous. Quoi? Vous avez de la crème solaire? Alors, non, on l'a oublié. Mais on peut aller chercher la tienne ensemble. Mais il faut surtout pas qu'on s'expose au soleil, sinon on risquerait de... brûler. Ouais, on va brûler comme des petits pancakes dans une poêle. Vous pouvez vous asseoir avec moi si vous voulez. Alors, tu vas faire quoi maintenant? Oh, rien de spécial. Je vais faire une petite chasse au trésor. Une chasse au trésor? Avec un vrai trésor? On adore ça, nous. Ouais, moi aussi j'adore. C'est trop amusant. Hein? Ta carte est à l'envers.
L'océan est bien là. Ouais, c'est l'ouest. Oui, mais l'ouest, c'est sur ta gauche. Bah dis donc, les cartes sont plus faciles à lire dans les jeux. Là, c'est incompréhensible. Queen Bee peut t'aider. C'est une experte pour lire les cartes. Quiet Cutie a un bon sens de l'orientation. Et moi, j'adore les trucs qui brillent. Donc, je suis forcément douée pour trouver les trésors. Allez, que la chasse commence. Ouais, ouais. Des pirates, des aventures et des trésors. Suivez-moi, les amis. Ouh. Où est-ce que t'as trouvé cette carte, au fait? Elle était dans les objets trouvés à la salle de jeu. Et j'ai appris que ça appartenait à une reine pirate. Il y a fort, 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 fort longtemps. Oh. Puis, la reine pirate, elle adorait les trésors qui brillent. Mais un jour, son équipage a été pris dans une grosse tempête. Et puis son bateau s'est échoué ici sur la plage de coquillages brillants. Mais elle n'était pas seule sur cette plage. D'autres pirates avaient jeté l'ancre ici. Elle a dû trouver un endroit où cacher son trésor pour ne pas que les pirates le lui volent. La reine pirate a laissé des indices derrière la carte pour pouvoir le retrouver. À tous les petits aventuriers qui veulent le retrouver. C'est dans le sable bien caché que mon trésor est enterré. On va le trouver, nous. C'est aujourd'hui qu'on va mettre la main sur ce trésor. Oh, il doit être enterré là. On a trouvé le trésor. Waouh. Hein? Il n'y a rien. C'est que du jus de pomme. Oh, un autre coquillage. Je pensais vraiment rentrer chez moi avec un trésor de pirate, moi. Ou peut-être même des rubis. Ou au moins une perle ou deux. Ou une couronne. Je suis désolée qu'on ait rien trouvé, les filles. Mais on s'est quand même bien amusées, non? Ouais, mais si on avait trouvé le trésor, ça aurait été encore mieux. Oh. Aïe! Oh, mais oui! C'est pas de l'or, mais moi j'ai trouvé ces coquillages aujourd'hui. On dirait bien que c'est moi la nouvelle reine pirate maintenant. Wow. Tu les as trouvés où, ces coquillages? Ben, ils sont un peu partout sur la plage.